Eh bien salut tout le monde, ici Chibi413, on se retrouve pour la suite de Dark Souls. Alors j'ai juste XP un petit peu de mon côté et tout ça, donc maintenant on va devoir tous se retaper le chemin comme la dernière fois. Et merde, j'invoque les ennemis en faisant ça. Hop, pas grave. On s'était laissé ici la dernière fois. Hop. C'est chiant ce petit clocher, je vous le reconnais. Alors comme niveau, tout ce que j'ai augmenté c'est la vigueur pour pouvoir porter des armes plus lourdes parce que je vais pas devoir faire toute ma vie avec la petite hache. Super, je suis empoisonné. Putain le salaud. J'ai rien contre ça si. Et merde. J'en ai 13, ouais, c'est bon. Il met le poison. Et il va me rendre tous mes PV. Ou presque. Oh nickel tout. On a affaire à un seigneur là. Alors j'ai découvert ici. Ça a juste donné une vieille arme, je pense. Oh putain, je t'avais pas vu toi. Le con, il m'a fait peur. Salaud. Ah, on est parti pour la suite. Oh, bah, attendez. Maintenant que j'ai découvert un mur secret, je me suis dit pourquoi pas. Merde. Et ouvre-moi. Non, y'a rien. C'est bon, on peut y aller. Oh putain. Qu'est-ce que c'est chiant. Alors, les gardes là, ils sont casse-couilles. Y'a toi. On va essayer de les éviter tranquillement, les gardes. Faut juste que je les attire à l'autre bout. On va faire comme ça tranquille. Puis je me mets ici. Comme ça ils me voient plus normalement. Je les entends plus. On va courir et les esquiver. C'est le but. Salut les amis. Parce qu'ils sont très chiants à tuer. C'est par ici. Non, c'est pas par ici, c'est pas grave. Yeah. Toi, bouche. Non, reviens ici. Merde. Satan. Suppôt Satan. Excusez-moi. Est-ce que c'est par ici? Je ne pense pas. Oh, putain. Ils se ressemblent tous ces endroits. Merde. Ah, c'est par ici. Allez, go. Oh calme, on arrive ici. Tout ce qu'il faut, c'est aller tuer ici. Eh merde. Chaque fois je l'active. Bon c'est pas grave, faut juste attendre un petit peu. Il y en a un autre qui va apparaître. Là. Normalement il y en a un troisième qui apparaît. Et normalement c'est bon. Que là-bas, il y a tous les fantômes, là, les Nazgûl. Et hop, un de moins. Ah ! C'est surpuissant son truc. Merde. C'est ça, c'est une triple arbalète que j'ai eu à l'Evelyn. Regardez. Pipipiou. Ok. Elle est assez puissante, je suis assez fier d'elle. Je vais le reconnaître. Alors. Ah, ici c'est lui le dernier. Il y avait juste un monde dragon ici en fait. On va tirer les deux bolos.
Voilà ce que je vais faire depuis le début. Bim. Attends, je l'achève quand même. J'aime bien combattre solo, ils sont assez faciles. Allez, viens. Voilà, hop. Easy peasy. Relève-toi. Et meurs. Bon, on va essayer de trouver un Mindfriends, un petit ami qui traîne, non? Il n'y a pas un nom, non? Putain, j'aime pas le faire seul. J'aime pas faire les boss seul. Bon, il n'y en a pas là, derrière. Et là-bas. Non plus, super, je suis livré à moi-même, comme d'hab. Ah bah. On se met bien, désolé les amis, mais je tiens pas à crever à longueur de temps. Ah bah, comment dire? C'est parti pour les boss. J'aimerais bien récupérer. Ouais, je l'ai fait une fois en vitesse. Il a assez balèze. Hop. Et il attaque de loin. Foiré de merde. Pute. Grosse pute. Ah, désolé pour mon langage châtié, mais ouais, triple attaque maintenant, dit. C'est pas grave. Je prends mon temps, va falloir que je joue intelligemment. Je vais faire d'abord mes sorts. Si je peux retirer, gratter quelques vies par-ci par-là, vous pouvez comprendre que. Qu'est-ce qu'il fait? M'en fous! Oh putain, ça sent trop la merde! C'est quoi de cette merde? Ah, esquive! De la moitié! Allez, meurs! Putain, je perds de la vie maintenant. Meurs! Je vais faire attaque safe. Un maximum. Et merde, putain. Bois, 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 bois. Esquive, 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 esquive. Hop. Oh putain. Wow, 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 wow. Tiens, mange. Merde. Oh putain, j'esquive tout juste. Oh putain, deuxième. Troisième. Ça va. Hop, changement de sort. Oui merde, je vais me le prendre. Je l'avais dit. Pas grave, pas grave. On y est presque. Pouah, putain. Eh merde, ça le touche pas. Et quand ça le touche pas, ça fait chier. Putain, je prends tarot. Là. Ok, ça servait à rien, c'était de la merde. Je sais même pas moi-même ce que je viens de faire comme saut. C'est pas grave. Il faut que j'attende qu'il invoque un sort. Putain. Va falloir que. Faut tout juste là. Ici. Meurs!
Oh putain! Alors là les gens, pfff, truc de dingue. J'ai enfin réussi à le tuer après mille et un combats face à cette créature de merde. Oh putain, je viens de me chier dessus. Bon les amis, par où je dois passer? Je vais aller par là pour voir. Non 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 non, c'est là que je viens. Oh là là. Après un combat épopée de je ne sais combien de temps, j'ai enfin réussi à tuer le boss. On peut enfin finir Dark Souls. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes sérieux là? Double combat comme ça? Bon bah allez. Que puis-je pour toi mon ami? Tu m'attaques pas? Il m'attaque. Anneau du roi. Oh y'a un trophée. Je sais pas si je dois l'attaquer ou pas. On va aller voir. Il m'attaque pas, je crois qu'il s'en bat les couilles. Très bien. Je vais peut-être devoir mettre l'anneau du roi. Attendez, je me mets un peu en zone. Oh putain, elle m'a fait peur, quelle conne! Cet anneau est un anneau royal. Oh, très bien. Pourquoi pas? Elle m'annonce toujours des mauvais trucs, celle-là. Alors, voyons voir. Anneau du roi. Anneau du roi. Non, lien fait. Mort. Non, putain, c'est pas celui-là. Anneau du roi. Permet d'ouvrir le portail du roi. Enfin, royal. Je suppose que c'est ça. Je sais pas pourquoi, mais il va venir m'attaquer. Non? Et toi, mon ami, t'as pas envie. Mais il est où ton portail à la... T'as pas autre chose à me dire? Oh très bien. En gros elle m'a dit toi, petit connard je t'aimais avant. Très bien. Bon j'ai retourné... Je ne sais pas où. Bon les amis on doit chercher le portail du roi. Ouais. Ah je suppose. Alors on va voir. Merde, pourquoi je suis retiré? Oh, quelle arnaque. Putain, je suis vraiment à teubé. Bon. Hop. C'est cool. Ouais. Une âme pour révéler la malédiction. Et ceux qui portent une âme puissante s'exposent à une situation encore plus redoutable. Vendrick, le roi de Dranglac, utilise une puissante âme croyant qu'une malédiction pouvant annuler une autre. Au bout du compte, il s'est mis en quête de la flamme. La porte vous... Le portail vous permet d'ouvrir le portail royal. Très bien. Ouais, mais ça me dit pas par où je dois passer. Et le roi, il m'a mis avant. Vous savez quoi? On va quand même aller le voir. J'ai quand même essayé de lui pochetrer sa gueule. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est comme ça. Peut-être que je dois mettre l'anneau des murmures aussi, non? Vous croyez pas? De vie. Peut-être qu'il va pas me parler aussi. Hein. Peut-être qu'il m'a dit à toi, tu vas te faire. Ah bah, il est juste à côté. J'entends des trucs chelous. Je sais pas si vous entendez, si vous entendez bien. Je suppose que c'est par ici. En tout cas, nickel. Ah, maintenant j'entends des trucs chelous. Super. Et toi, roi? Très bien. Et là, rien ne se produit. Eh merde. Allez! Il est chelou quand même. Bon, je vais lire tant qu'il fait rien. Restez calme. Essayez attaque. Bah, je lui fous sur la gueule depuis tout à l'heure. Et toi, t'as rien d'autre à me dire? Putain, allez, franchement, je vais lui péter un plomb dessus, connasse. Bref. Comment dire? Je ne sais absolument pas où je dois y aller. Et le portail. Ce produit. Quoi, tu veux que je fasse quoi? Putain, c'est vraiment relou ce jeu. Non, je suis absolument pas. Oh putain, il m'a fait peur. On est coincé avec un crétin. Merde. Mère. Mère. Putain.
Qu'est-ce que c'est chiant. Oh ma triple arbalète. Alors les amis, je sais absolument pas quoi faire. Je vais retourner au feu, je vais toujours aller augmenter mon niveau. Oh putain, c'est mon dernier os. Chier. Réfléchissons, par où je devrais-je passer pour aller lui meuler sa face à cette andouille. Je ne sais absolument pas. Je ne sais pas, je ne peux pas. Et je reste planté là. Bon, on va toujours aller voir qu'est-ce que je peux m'augmenter comme level. En plus, j'ai eu des âmes en plus là, tranquille. Tranquilux, elle est où? T'es à côté, sister. Bearer of the curse, I will always be at your side. Voyons voir. 1, 2. Seulement 2 levels. Voyons voir. La vie, ça serait tentant pour prendre moins sur la gueule. L'énergie pour donner plus de coups. La vigueur pour porter plus d'armes lourdes. J'aimerais bien mettre ma nouvelle hache aussi, mais bon. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la fermière. La force, ça sert toujours plus à rien maintenant. Poison, je sais pas trop, adaptation. Je résiste au poisson, au poison, au saignement et tout ça, mais je sais pas. Et ça, ça augmente la défense contre la magie, le feu, et ça augmente ma puissance de sort. Ouais. Ça augmente pas mal la vie. Vous savez quoi? Allez, on va rester sur l'attaque. Vous savez que je suis un bourrin. Ouais. On va voir s'ils vendent pas d'autres armures surpuissantes, les petits. Et si je peux... Oh, attendez. J'aime pas me balader ainsi. J'ai l'impression d'être à poil. Depuis que je suis acheté une armure, le type, il se met bien. Avant, il était en mode clochard. Et maintenant... oui. Alors, on va voir. Nul. Oh, ouais, mais... ça fait que les attaques, ça. Oh. Armure de... Velstand. Moi je m'appelle Jason, enchanté. Ouais, elle résiste pas mal, mais pas aussi puissant que mon armure. Pareil pour l'eau. Oh, il est joli le casque. Mais non. Ouais, c'est normal que t'es riche. Je t'ai acheté un milliard de trucs, enfoiré. Salaud. Attendez, on va voir mon armure. 100, 300, 200. Ouais, c'est béton. Je vais garder. Regardez bien ma bouche, j'ai l'impression d'être un. On peut le dire, un trou de balle, une tête de cul. Ça fout bien les nerfs. J'ai augmenté mes sorts de feu. 2 minutes, si ça vous dérange pas, les amis. Ici, c'est la petite phase où, comment dire, on se. Qu'est-ce qu'elle fout à poil? Je lui avais donné des vêtements. Elle a l'air agressif en plus, là, d'un coup. Ouais, ça sert à rien. GGG, j'ai pas. C'est quoi? Nuage empoisonné. Cool, ça a l'air cool. Chair d'acier. Ouah, mais tu coûtes cher, toi. Renforcé. Et il m'en reste un, c'est parfait. Hop. Je vais frapper. C'est la fille, elle te parle, elle raconte toute sa vie, un truc de dingue. Alors, voyons voir. Acheter. Ça sert à rien, c'est faible. Je vais peut-être acheter quelques carreaux, même si c'est en bois, ils sont toujours utiles. Une trentaine, ça suffira, je pense. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre? J'hésite parce que... des flèches en bois, mais... peut-être renforcer. On va voir ce qu'on peut renforcer. Les armes. Ouais. Fragment de titanite. C'est vrai que si mon arbalète est un peu plus puissante, je dirais pas non, vous voyez. Ouais. Parce que c'est des trucs que j'utilise assez souvent. Oh, regardez, j'en ai la blinde, ne vous inquiétez pas. Je peux l'augmenter jusqu'au niveau maximum. À ce niveau... Oh merde, j'ai plus une thune. Alors,
Ah, je pourrais augmenter ça. Ah non! Si, j'en ai deux. Je pourrais augmenter un gant ou un casque. Il me faut 2000, 2000, 2000. Attendez, on va mettre quelques âmes au calme. Eh, il m'a pas donné d'âme, l'enfoiré! Âme de Nadalia, ouais, ça, si on le fait à la fin, je vous l'avais dit. Permet d'envahir les mondes d'un traître. C'est cool. Des pierres de Pharos pour la suite. Écailles de dragon. Là, j'ai plus d'autres âmes, c'est chiant. Et il m'a rien donné en fait. Si? Non? Si? Non? Si? Non? Je sais pas. Ouais, j'ai pas envie d'utiliser mes âmes pour l'instant, c'est chiant. Partenaire géant, je m'en bats les steaks. Peut-être pouvoir revendre des trucs, non? Bon. On va réfléchir où est-ce que je pourrais bien aller pour ce putain de truc. Attendez. On va réfléchir 2 secondes. Parce que, regardez. Oh putain, merde, je m'en bats les. Merde, là, j'ai fait niveau. Est-ce que j'ai un morceau de fiole d'Estus? Non. Alors, ouais, on va voir. Où est-ce que je pourrais passer? Regardez bien parce que. Il faut que j'aille là. Là, c'est les zones bonus. Là, que je vous avais dit qu'on ferait un peu plus tard. Mais pour l'instant, il faut réfléchir. Où est-ce que je suis pas passé? Et que ça pourrait être utile? Bah, on n'a pas trop le choix de fouiller, je suppose. Oh, ça fout les nerfs, putain. Oh, attendez. L'anneau du roi. Est-ce que ça serait pour faire les big boss, là? Vous savez quoi? On va tester. Ça tombe, c'est l'anneau du roi qu'il faut pour faire, vous savez, les géants, les portes des rois qui sont fermées, tout ça. Que si c'est le cas, j'en ai quelques-uns à faire et ce serait peut-être bien par là. Ah, je suis chaud, les amis, là, pour faire un truc de titan. D'un autre côté, on n'a pas trop le choix. Et je crois savoir passer. Où passer? Il faut aller dans la forêt de l'ombre ou je sais pas quoi, là. Ça, c'est le seul endroit qui me manquait un passage. Donc, on va toujours aller voir pour les big boss. Je ne sais pas. Hein. Oh putain, c'est ça, ça s'ouvre. Inch'Allah, c'est bien ça. Donc ça peut bien aller sur foot. J'avais mis quoi? J'avais mis quoi? Attendez. Là, c'est sous forme carcasse généralement. Donc c'était l'anneau de vie. Ouais. Et pour avoir plus d'âme. Hop, 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 hop. Alors, tant que j'ai pas beaucoup d'âmes, je vais pas vous mentir. On va essayer de faire les big boss. Faut voir s'ils sont ultra puissants. Attendez, je vais juste retirer, placer sort. Ça, je vais retirer les trucs de pyromancie parce que c'est vraiment, vraiment reloutre. Oh putain, c'est trop cher. Pop, hop, 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 hop. On va mettre ça. Hop, hop, hop. C'est parti, les amis. On va les poutrer. Putain, c'était la zone que j'arrivais pas à voir. Oh putain, je suis tombé. Et je remonte comment? Oh non, c'est chiant, je vais devoir descendre, remonter, tout ça, putain. Titanite scintillante, yes, on va pouvoir augmenter tout ça. Branche ancienne embrume. Embaumante embrume, oh, on s'en fout. De toute façon, j'ai tué tellement de gens ici. On se laisse glisser. Hop. Ok. Et on va aller fister du géant. Malheureusement, je peux pas me retéléporter au feu de camp parce que j'ai plus d'os. Faudrait bien que je retrouve ça. C'est une saloperie, mais à trouver. Faut dire que je suis utilisé comme bon me semble.
Ouais, si vous dites comment ça se fait qu'on m'attaque pas ici, c'est que j'ai tué. J'ai XP ici. Au tout début du jeu, je vous conseille d'XP ici. Si vous n'avez pas encore joué à ce jeu-là. Franchement, au début, ça coûte quoi? 500, 1000, puis 2000 pour passer un level. Bon, maintenant, je dois taper 50 000, donc c'est une autre histoire. Et ici, on se faisait 6000. Donc, on pouvait XP une dizaine de levels, puis un peu moins, puis un peu moins. Et au fur et à mesure, plus rien. Et bon, après un certain temps. Ouvre-toi, Sésame. Meurs, Satan. Bon, on va essayer de faire un va-vite. Si c'est trop puissant, on va continuer l'aventure. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin que je me souviens maintenant. Putain, passe, nom de Dieu! Alors. Alors. Je suppose que c'est ça. Et là, rien ne se produit. Et si je remets l'anneau? On ne sait jamais, hein, ça tombe, c'est ça qui fait que. Ah bah non. Donc on m'a dit, toi, tu peux passer, mais tu peux aussi aller te faire foutre. GG, salaud! Putain, c'était où le bois de l'ombre? Ouais, c'était ici. Je vais pouvoir tranquillement. Oh putain, c'est où il y a l'ogre? Oh là là, je sais pas battre les ogres. Vous savez quoi? Tant pis, on porte nos balls. Déjà, je vais mettre plus d'âme. Pourquoi vous allez vous dire? Bah, tout simplement pour XP. Ces chiens-là, on s'en bat les steaks, mais d'une puissance. Ouais, casse-toi. Plus chiant, ça va être. Toi, là, gros sac à vin. Meurs, meurs. Ouais, calme-toi, hein, par contre. La caméra, elle fait toi. Putain. Un petit sort tranquille. On va faire ma technique préférée si vous regardez mes vidéos sur ma chaîne. La technique. Oh putain! Wow! Le con, je viens de me chier dessus. La technique péno. La technique péno consiste à quoi? À faire ça. Vous mettez dans un coin où vous pouvez. Il peut pas vous atteindre. Généralement, quand ils sont des petits ennemis, vous mettez dans une ruelle ou un truc comme ça. Et vous le fistez. Il se faire foutre. Meurs! Meurs! Et voilà. Comme ça, vous prenez aucun risque. Et puis, bah, vous lui dites, toi, tu vas te faire foutre. Tu m'as pas eu. Hé Meurs! Meurs! Oh putain. Ça va casser mon armure, ce truc-là. De toute façon, il restait qu'un seul endroit, c'était ici. C'est le seul chemin que j'ai pas fait au monde, donc. Et là, j'avais tué le gardien. J'aime bien tuer les gardiens. Je te présente, minute, Papillusion dit. Et là? T'as envie de dire quoi? Toi, mon ami, tu vas te faire foutre! Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi. Petite pipette grave à plomb. Allez, c'est parti. Forteresse d'Aldia, oh, putain, un génie les amis. Oh putain, il m'a fait peur celui-là, meurs. Très bien les amis, c'est un endroit des plus accueillants. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais ça, on s'en bat les couilles. Des fois, faut regarder. Hein. Viens, imprenable, bah, putain, t'as de la merde dans les yeux mon ami, je dois te le dire. On va faire tranquillement le tour, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose à gratter, tu sais, tranquille, au calme. J'ai entendu quelque chose. Ah, vous savez, putain, je suis parano à mort, moi. Le joueur parano. Non, il n'y a rien ici. Ah bon, on va gratter quelques... Oh, c'est un gros pétrifié, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Là, c'est un ennemi. Très bien. Et il devient visible. Et il se téléporte, là, au calme, très bien. Des kunai. T'es un ennemi ou t'es un ami? Toi, tu meurs, veux-tu? Oh putain! Allez! Sale clap, il me donne affinité. On va vite gratter voir ce que c'est les amis. Affinité. Non 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 non. Wop. Des niveaux avancés. Bah, cette dernière est la manifestation d'une émotion puissante, une image de la haine ou de l'amour. Ouais, en gros, on s'en bat les couilles. Crâne élégant.
Peux-tu me dire à quoi ça sert? Oh putain, un petit feu là au calme, ça fait plaisir. Ah tiens, les clips vidéo, ça va plus vite qu'avant. Hein. On regarde vite fait, il n'y a rien, une cabane pourrie. Bah très bien, on va continuer les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien grand chose à faire. On regarde toujours derrière les escaliers, vous savez. Hop. Graines de feu. Très bien! Qui s'en fout, lève la main. On a toujours pas rencontré d'ennemis. Comment dire. Chelou. Oh là, il y a eu un petit point de. T'as un ami ou un. Putain, je fais jamais la différence. J'aime de vie radieuse. Ah bah, tu m'en bois ravi. Si je puis dire. Ouais, on va pas encore faire les fifous. On va d'abord scruter. Herbe, crépuscule. Ouais, des trucs que j'utilise jamais, comme d'hab. Et ici. Bien joué, merci. Alors, t'es un comique, hein, mon ami. Bon, pour l'instant, il n'y a rien grand-chose. Ça mange pas de pain. L'esprit sombre. De Astesia, de Mira. Il y a un truc là-dedans, la cabane, laisse tomber. On se le fait au loin. J'aurais peut-être dû, avec le feu, me remettre. Bon, attendez, hop. Petite hache. Putain, il est speed lui. Ouais, vous savez, comme j'ai augmenté la puissance, je faisais plutôt facile. Bon, attendez. Et une effigie humaine, ça c'est cool. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Arme et donc audace, nécessaire droit devant. Et homme et donc femme. Hein? Qu'est-ce qu'ils bavent? Ouais, très bien, on s'en bat les couilles. Ok. Sésame, ouvre-toi, nom de Dieu! Oh putain, ça sent la merde là. T'as un dragon fossilisé en face de ta gueule. Et puis t'as ces trucs là là. Mais dis-moi ce que t'es, nom de Dieu! Faiblesse, tête. Donc femme nécessaire. Hein? What the fuck? Femme et donc vision de femme. Ouais, les mecs, je sais pas si vous étiez en manque de baise quand vous avez dit femme et tout là, mais bon. Je peux avoir le même chez moi? On va passer ici, je sais pas pourquoi. Je sens moyen, moyen. Vous savez quoi? On va toujours rallumer toute cette merde. Non, un papillon de feu, c'est là. Il faudrait que j'utilise plus ces trucs-là. Augmente. Non, empoisonne l'arme et tout, là, pour poutrer ce fils de poulpe. Bon, pour l'instant. Oh putain, je t'avais pas vu, toi. Oh non, t'es sérieux, il y a des. Il joue à affronter avec des âmes. Vous avez eu la vie qu'il a, Starfall. Bon. Toi, tu vas me faire chier longtemps. Bois, 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 bois. Putain. Lui, il est chaud à tuer. Putain, il a une esquive de quedin là. C'est bon, il m'a poutré un peu loin. Putain, il esquive, il est chiant. Lui, il va me faire chier. Ça va prendre un peu de temps, désolé les amis. Oh, putain, j'ai passé d'énergie, hein. Il faut que j'augmente ça maintenant. Ah oui. Oh, et putain. Un dernier coup. Ya! Oh, t'es sérieux? J'ai tout donné dans le cri de guerre là. Ya! Merci. La 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 la. Ouais, j'ai plus besoin de ça. Putain, à chaque fois je perds des âmes là. Putain, en tout cas, il m'a bien fisté. Culé. Allez, calme-toi. Je sais pas pourquoi. Boss ou pas boss? Boss ou pas boss? On va voir, on va voir. Please. Ah merde, j'ai pas lu. Laisse-moi tranquille.
Oh, écoutez bien les amis, il dit please et ça veut dire je vous en prie laissez-moi seul. Bah attends, il disait juste please avant. Ouais. Faut me pas prendre pour un vieux saucisson dégueulasse là hein, les amis. Bah on continue tranquille. Ouais, oh putain, attendez, je suis pas con. Y'a pas un petit mur caché là? Attendez, un grand mur dégueulasse comme ça, il doit bien avoir. Non, très bien. T'as dit toi, Chibi, tu vas te faire foutre. J'ai dit ok. Sinon, il faut dire que j'ai pas trop le choix. On va voir de l'autre côté. D'accord. Je sais pas trop ce que ça a changé, mais je suppose que c'est bien pour le bien du jeu. Ça a toujours été bénéfique. Putain, j'arrive même plus à parler. Oh là là. T'as senti ma puissance. Bon, apparemment, je dois aller de ce côté-là. Et là, tu vas me bloquer. Ah non. Très bien, ça ne change rien en fait. Bon, lui, il a l'air d'éther, le gros. Putain, franchement, s'il y a bien un ennemi que j'aime pas du tout, c'est les gros orgues. Ogre. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? Regardons à son aise. Hein. Bon, là, t'en as un géant. Ouais, pop. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais en chier. Les statues, elles vont revenir à la vie, je suppose. Non, parce que c'est un ennemi, ça se voit sa gueule. Oh putain, est-ce que c'est chiant. Oh, excuse-moi grand. Putain, lui il va être chiant à tuer. Bon bah tant qu'il est là loin de moi, loin des yeux, loin du cœur, j'ai envie de dire. Ça vient pas jusqu'à moi. C'est cool. Oh, on prend pas de risque, désolé les amis, mais au calme. Mais fous-moi la paix, nom de Dieu! Pas grave. Tududu. Tududu. J'aime bien les cris, franchement on se croirait dans ces films porno par moment. Oh cramoisi. D'accord. J'ai bien envie. Lui on s'en fout. Il y a que lui apparemment que je peux. Et peut-être lui. Ennemi ou ami? Ennemi ou ami? Bon, c'est pas bien, regarde. Ça a l'air d'être un homme. J'ai bien envie. Hein. Excuse-moi, bro. On en tente un, lui. Si pas, bah qu'ils aillent tous se faire foutre. Oh, il fait de la tectonique, le type. Salut à toi, monster. Monster costard. Ah, celle de feu, c'est cool. Je te souhaite bien évidemment la bienvenue. Là, toi, toi, tu peux te faire foutre. Je parle pas de toi, je parle de l'ogre. Non, on m'a déjà eu comme ça pour un déménagement. Putain, ce jeu, il est infect. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a de ce côté? Oh, un coffre! C'est génial! Alors, voyons voir. Ce jeu, il est éprouvant. Mais bon, on est bientôt à la fin, dites-vous. Enfin, j'espère. Parce que ça fait 80 heures que je joue à ça. Non. 70 à tout casser. Eh bien, comment vas-tu, Monster Costa? On va se tenir la jambe l'un l'autre. Parce que parler seul, j'ai l'impression d'être un... pas très net dans ma tête. On n'est pas à tout au sol. Je sais pas pourquoi ce truc-là, il va me sauter à la gueule. Non?
Tirer. Tirer ou pas tirer? Tirer ou pas tirer? Allez, on va tirer. On prend des risques. Ça change quoi, bro? Ah, ça a ouvert une porte. Suisse. Ouais, moi ça va. Bah. Ça va nickel. Un peu tendu parce que ce jeu. Il est chaud à mort. Bah bon, au niveau 179, ça. Oh, c'est cool ça, j'ai allumé un truc. Putain, c'est quoi là-bas en face? Dis-moi, d'où viens-tu? On va se tenir compagnie. Je vais en prendre un peu plus sur bah, ceux qui me regardent, parce que c'est pas souvent que quelqu'un me regarde, je suis assez content. Pète pas, toi, pète pas. C'est bien. Jamais de vie radieuse. C'est quoi cette merde? J'ai entendu un putain de bruit, j'ai horreur de ça. J'entends des bruits chelous là, les amis, c'est. Toi, ouvre-toi. De Marseille. Oh putain, c'est super loin ça. Et moi je viens de Bazec, c'est un tout petit village en Belgique. Mais bon, je vais pas te mentir, mon pays c'est un peu la crise, c'est aussi la merde. On va pas se mentir, j'ai l'impression que Français et Belges se supportent pas, mais moi je te préviens d'avance, on s'en balèque. De Marseille, tchè là là. C'est pas la porte d'à côté ça. Putain. Et dis-moi, il fait beau là-bas parce que moi je dois t'avouer que dans mon pays il pleut souvent. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là là! On va utiliser ça. Vous savez que j'aime pas être dans le noir. Enfin, y a que toi qui me regarde donc. Putain, t'es sérieux, mec? Oh là là! Ah, il perd presque pas de vie, hein, fils de pute. Désolé pour les grossièretés. C'est la rage, vous savez, tu sais, quand vous jouez. Il fait trop chaud, putain, t'as grave de la chance, mec. Ou fille, je ne sais pas. Super, et mon épée est dans la merde, et je suis dans la merde. Meurs pas! Toi, tu m'en. Merde! Putain, t'as bien de la chance, profite. Et dis-moi, tu as quel âge? On ne sait jamais, hein, autant se renseigner. Pour savoir si tu vas encore à l'école. Oh putain, ma hache, elle est brisée, quelle merde. Ah, c'est bon à savoir. Ah, je suppose. Attends, mec. Je suis un peu dans la merde, j'ai pas d'armes. Putain, il me poursuit. Hop. Une arme, une arme. Putain, ma hache. 14 ans. Un peu jeune. Donc t'as déjà repris l'école, toi? Enfin, je ne sais pas. Oh putain, il m'a enchaîné là. Terrible coup. Bah, je te souhaite bonne rentrée. Enfin, bonne merde surtout pour ton année. On sait tous que l'école, c'est grave chiant. Mais bon, faut s'accrocher parce que on n'a pas grand chose dans la vie à part nos diplômes. Quelle année maintenant? Enfin, je sais pas si en France et en Belgique c'est pas le même. 14 ans, ça revient à quoi? Deuxième ou troisième secondaire en Belgique? Ça vaut quoi en France? Les CM, non? J'avoue que je m'y connais pas des masses. Quatrième. Ah, c'est cool ça. Bah écoute, bonne rentrée. Et bonne merde à toi pour ton année. Va falloir s'accrocher comme d'habitude. Ah, toi tu rentres comme ça. Putain, et t'es un ouf toi. Hop. Ok. Putain, ma hache elle est morte, c'est chiant ça. Bon, attendez. Ah, bah, de rien, écoute. Chacun le point, ça peut être casse-couille, l'école et tout. Putain, oh, je savais. Tout va casser. Saloperie. Tout ça pour de la merde. Oh, c'est très bien, je me prends un coup. J'espère que t'as déjà pas des interros ou trop de devoirs, parce qu'on sait que le début de l'année, les profs, ils arrivent et ils te font tous bien chier. Oh putain, tous mes anneaux sont morts.
Starfall. Il me faudrait un feu. Ou un os.